doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, add it up. Famille, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode numéro 2 de la série Américatif avec Elite Athlète Soccer. On était à Paris, cité universitaire, et 3 jours après, fiou, téléportation, on se retrouve aux États-Unis, à New York. Incroyable, on vient vérifier les sources sur place. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on est au Soccer Roof, c'est un 5 en fait, avec une vue incroyable. Vous le voyez, un 5 sur un toit aux États-Unis. T'as déjà vu ça, toi? Moi, j'ai jamais vu ça. Mais du coup, on va le voir aujourd'hui. On va le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être avec un invité qui a réussi sur le côté universitaire. Parce qu'avec Elite Athlète Soccer, en fait, on peut réussir côté universitaire et côté sportif. Voilà. Mais on va prôner un petit peu le côté universitaire aujourd'hui, voilà, avec un invité exceptionnel. On vous le montre maintenant. C'est parti. La Team Family. Let's go. Match Family, on est en compagnie de Jonathan Lupinelli. Jonathan, comment tu vas? Super bien, ça va et toi? Ça va super, merci, on est chez toi, on peut dire ça. Lucas, qui est Jonathan Lupinelli? On va le laisser se présenter, son parcours, ce qu'il a fait, qui il est et comment il en est arrivé ici à être à New York à Soccer Roof. J'ai commencé le foot comme tout gamin dans un petit club de village. J'ai fait le centre ensuite au Girondins de Bordeaux. J'ai joué à la Real Sociedad où j'étais le roommate d'Antoine Griezmann. Incroyable. Roommate, c'est mon coloc. Ouais, ton coloc. Mon coloc, ouais, on vivait ensemble, on allait à l'entraînement ensemble. Ouais. Puis moi, malheureusement, ça a pas marché pour moi. Je me suis dit qu'il fallait que je rebondisse. Et c'est là que j'ai rencontré Elite Athlète qui m'ont vendu le projet de partir aux USA. J'ai pu faire un bachelor en business international, un master en marketing. J'ai été champion universitaire de tous les États-Unis, on a gagné la NCAA. Incroyable, wow. Incroyable. Ça, c'est le championnat universitaire? Ouais, c'est le championnat universitaire. C'est très réputé aux États-Unis? Ah ouais, c'est un truc de fou. Pour vous donner une idée, pour les playoffs, donc quand il reste 4 équipes, ça se joue tout au même endroit. Quand on est rentré avec le trophée, on avait 2000 étudiants qui nous attendaient sur le terrain. Et on avait la police qui nous escortait, donc c'est vraiment un truc de fou. Et c'est quoi une journée type en université américaine? Réveil le matin, classe plutôt le matin, début d'après-midi. Un entraînement au moins par jour, l'après-midi, parfois un entraînement le matin et l'après-midi, surtout dans la off-season quand il n'y a pas la compétition. Et puis les soins, vraiment des structures extraordinaires au niveau foot. T'as des structures un peu pro, on va dire. Ah non, mais moi j'étais choqué parce que je sortais pas de... Enfin, j'ai quand même fait le centre aux Girondins et ensuite équipe réserve à la Real Sociedad. J'ai dit, franchement, je suis dans une petite université du New Hampshire et les structures n'avaient rien à leur envier. J'étais complètement incroyable. En termes de niveau et de mentalité, les différences que tu as remarquées avec la France, c'est quoi? Alors, il y a vraiment une culture de la gagne qui est vraiment, enfin, moi je l'ai vu, pas seulement dans le foot, hein, dans le business, c'est pareil, qui est prédominante. Et les Américains, ils veulent gagner, quelle que soit la manière, il faut gagner. Vraiment essayer d'être la meilleure version de soi-même que tu peux. Tu fais ton cursus universitaire? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? D'abord un diplôme en business international et un master en marketing. Donc quand je finis les études, j'ai deux options qui s'ouvrent à moi, qui sont toutes les deux top. Au niveau sportif, j'ai Rochester Rhinos, donc le club USL de Rochester, qui me propose de les rejoindre. Et donc de l'autre côté, j'ai l'opportunité de rejoindre Major League Soccer côté boulot dans les offices pour travailler pour la ligue. J'ai commencé mon aventure professionnelle à la Ligue, à la MLS, sur la 5e avenue ici à New York. Donc là, changement de vie, j'ai lâché le côté foot pour entrer dans une carrière professionnelle et du côté business.
Elita Jet, qui m'a suivi pendant tout ce cursus, montait le premier Five à New York City et il cherchait un manager. Et en une semaine, on se tape dans la main et je l'ai rejoint dans l'aventure. Et je deviens donc le general manager du premier Five ouvert par Soccer Roof à New York City. Donc là où on est, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ouf. Merci Jonathan, merci énormément. J'ai retenu quand même le mindset américain comme quoi il y a tout le temps de la gagne, on veut toujours gagner, etc. Jonathan, on va se défier et tu veux gagner. Écoute, j'adore les défis. Je suis là pour gagner. Et bah c'est parti, let's go. La T-Family, défi précision, challenge précision. Très simple. Vous avez vu, il y a un premier but au premier plan. Derrière ce but, il y a un autre petit but. Exactement. Donc le but du jeu, c'est de marquer dans le premier petit but, le deuxième petit but. Et terminer sur une crossbar. Le premier qui arrive à faire les trois étapes, on n'est pas obligé de faire en même temps tout ça. Le premier qui arrive à taper la barre, il arrive. Enfin, tout simplement. Jonathan, c'est parti. À toi l'honneur. Monsieur le chanteur universitaire, à domicile. À domicile. Ok, facile. Il est grave là. Écoutez-moi bien. Il est grave là. Écoutez-moi bien. On a essayé juste avant pendant 5 minutes, il faisait rien du tout. Il cache bien son jeu. Eh, hey, ça sert à rien. Hey. Alors, il est là, il est en petit costard. Tout ça, tout va bien. Oh. Allez, voilà. Allez, vas-y, c'est bon. Là, on est rassuré. Ça va mieux. Next. Allez, ratez ta passe. Non. Ah. Allez. Wow. Écoutez-moi bien. Il met pas ce petit. Eh, t'es un champion. Eh, merci mec. Oh Lucas, ça rien de jouer avec toi. Oui. T'as vu là, cette lucarne ou pas? T'as vu? T'as vu comment la montée? Voilà. Là tu nous termines maintenant. Et là je tape là-bas. Oh non. Ah bah alors, bah oui, bien sûr. Vas-y, allez, attends. Oui. Non. Le bruit. Là-bas. Ouais, là-bas. Ouais. Thank you, sir. Yes. Referee. Il est pas. Là-bas. Non. Oui. Enfin. Droit de réponse, Lucas. Aucune pression sur les réponses. Il n'y a pas de pression, jamais. C'est bien parce que j'ai eu qu'une frappe pour m'échauffer sur la barre. Donc vraiment, là, je suis en totale confiance. Non. Bon coup. Bien joué. C'est mérité. J'ai avancé à domicile en fait. C'est vrai, c'est très très vrai. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring. Now you can't afford it. Yo la family, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à New York. On est à l'université de Seton Hall. On va rejoindre Camille, un étudiant qui a fait Elite Athlete, qui a fait ce programme et qui se retrouve dans cette université. Il va nous faire vivre son quotidien. C'est parti. Let's go. Là, l'entraînement, il commence, ça y est. Vous voyez, on est sur le terrain. Leur terrain, il est incroyable. Ils ont des infrastructures. Franchement, c'est ouf par rapport à la France. Là, clairement, on se croirait limite sur un club de Ligue 1, en fait, au niveau des infrastructures. C'est incroyable. Leur terrain, il est quali. C'est très cadré. Ils sont tous habillés pareil. Franchement, c'est... Tu sens que c'est puissant, que le délire d'université, c'est vraiment un truc. Là, j'ai hâte que l'entraînement y commence. Tu penses quoi du niveau? Ah, c'est du bon niveau, hein. Franchement, il y a de l'intensité de ouf, hein. Ça joue, il y a, hein, beaucoup d'intensité, hein. Franchement, ça joue. J'ai l'impression, là, c'est les 10 premières minutes d'entraînement.
Mais gros, ça y va, ça crie, ça c'est intensif de ouf. Franchement, il y a pas beaucoup de contrôles qui sont ratés, ça joue en une touche, ouais, appui, remise et tout. Il y a beaucoup de contrôles de balle. Hein, c'est très très quali, franchement c'est très 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 quali. C'est agréable de regarder. Ouais. Vous voyez, quand je vous parlais des infrastructures, leurs bancs de touche, c'est comme les bancs en Ligue 1. Regardez, ils ont les bancs en cuir avec leur logo. Ça change de nous avec nos bancs en plastique tout blanc. Là, c'est vraiment c'est des bancs. C'est le PSG ici, c'est incroyable. Bon, entraînement fini pour Camille. Salut Camille, ça vous quoi? Ça va tranquille. Bienvenue à Southern. Donc là, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait du niveau. Ça joue au foot quand même. Ouais, ça joue bien. Bah, ce que je vous disais, c'est que la plupart des joueurs qui sont ici, surtout les internationaux, c'est des mecs qui ont joué en centre de formation toute leur vie. Et toi, ça a été quoi ton parcours? Comment t'es arrivé jusqu'ici? Donc moi, de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans, j'ai joué au Racing Club de France. Donc j'ai fait jusqu'en 17 ans nationaux là-bas. Et après, à 18 ans, j'ai contacté FFF USA. Ils m'ont envoyé au Kansas d'abord. Donc c'était une plus petite université. J'ai fait 2 ans là-bas. Et après, j'ai voulu aller plus haut. Et donc je suis venu en D1 ici à Seton Hall. Et là, ça fait 3 ans que je suis ici. Et du coup, ça fait 3 ans que tu joues pour l'équipe numéro 1. C'est l'université qui paye toute ta bourse? C'est ça, exactement. Paye frais de scolarité, il nous aide un peu pour le logement aussi. Le sinon, bon les plan. Cours, c'est 50 000 l'année quoi. Et du coup, ce que tu nous disais quand on est arrivé tout à l'heure, c'est que l'année dernière, vous avez été champion. C'est ça. Donc, on a été biggest champion. On a gagné, on est passé sur la télé nationale et tout. Incroyable. C'est incroyable. Oh, les histoires. C'est ouf. Ils ont une bague, mon gars. Ouais. Elle est incroyable. Genre, on dirait t'as gagné un truc de basket et tout, les grosses bagues américaines. Franchement, c'est un délire. Et du coup, là, on est où? Donc, t'as fini l'entraînement, ça s'est bien passé. Donc là, tout ça. Fini l'entraînement. Là, on est, donc on appelle ça le rec. C'est là où il y a tout ce qui est athlétique. Donc en gros tout le sous-sol c'est réservé aux athlètes. Ok. Ensuite là il y a un genre de gym et des terrains de basket qui sont pour tous les étudiants. Ok. Et ouais, il y a une piscine aussi. Enfin le bâtiment est énorme. Donc je vous montrerai. Vas-y. Et bon, on va aller voir ça. Let's go. Quand on a gagné l'année dernière. Oh là là, incroyable. La première fois que t'es rentré ici, tu t'es dit quoi? Je me dis que c'était un truc de fou, c'est comme dans un film en fait. La salle des trophées. Regardez, tous les trophées et tout. Oh là là, c'est un musée, vraiment. C'est incroyable, franchement c'est un délire. Les infrastructures, je savais que ça allait être ouf, mais à ce point là, c'est incroyable. Et la plupart des clubs français de basket, ils ont pas ça. Là on va aller dans le sous-sol, donc la partie qui est réservée aux athlètes justement. Là, c'est là où on fait les séances vidéo. Wow. S'il vous plaît la T-Family. Même au cinéma, il n'y a pas des sièges comme ça. Même en France, au cinéma, tu n'as pas des sièges comme ça. C'est mes... Oh là là, oh là là. Mais en plus, il y a un petit... Oh là là, regarde. En fait, même si on dit ça va être un truc de ouf, tu vas voir, tu peux pas t'attendre à ça. C'est comment l'ambiance du vestiaire du groupe? Ça se passe bien? C'est incroyable. En fait, vu qu'on est tous loin de nos familles, en fait, on crée et on est H24 ensemble, donc ouais. On crée des liens où on vient vraiment frère. Genre. Et donc, tout le monde est bienveillant, tout le monde fait attention à l'autre. C'est vraiment un esprit très famille en fait. Ouais, non, exactement. J'ai jamais eu ça dans une autre équipe en France. La salle de muscu. Ça, c'est vraiment le type américain, mais là, je reste un mois, je suis The Rock. Tout est mis en place pour que tu sois un athlète de fou. C'est exactement ça. NCAA Tournament, ça c'était la finale entre Georgetown et ça NCAA Tournament. Donc là c'est votre sacre. C'est ça exactement. Ouais non, ici c'est un truc de fou. Ici quand on a gagné, il y avait des gens qui tapaient à l'université qui pleuraient genre... Non. Ouais non, c'était un truc de fou. On avait l'impression qu'on avait gagné la Ligue des Champions. Rempli, il y a plein d'élèves qui font du basket, volley, plein de sport. Ouais non, c'est ça exactement. Là, c'était le domaine un peu sportif. Exactement. Petit domaine. Donc là, on arrive c'est la partie qu'on appelle le green. Donc c'est vraiment le centre du campus.
là, attention, faut pas marcher là-dessus. Faut pas marcher là-dessus ? Ça, il y a une genre de légende dans l'université. Si tu marches sur ça, sur le cercle là, okay. T'as pas de route. Et du coup, en gros, tu vois aux heures de pointe, tu vois tout le monde marcher et faire le tour du truc. Tu me disais que vu que t'es un athlète de l'université, t'as des cours aménagés. Ça, en fait, ils sont super flexibles au niveau des cours. En fait, tous les cours sont offerts plusieurs fois dans la semaine. Donc, et en fait, en tant qu'athlète, on est prioritaire pour s'inscrire. Donc, on peut bouger nos cours autour des entraînements en fonction de ce qui nous arrange. Donc, en général, on a entre 12 et 18 heures de cours par semaine. En fait, tout le monde est obligé, les premières années, de prendre des cours généraux. Ouais. Donc, même si tu veux faire business, par exemple, tu vas devoir prendre des cours de sciences ou des trucs comme ça. Ok. Et après, plus ça va et plus tu te spécialises. Et du coup, toi, là, l'objectif à la fin de ton année, c'est quoi ? Donc là, je vais avoir mon master à la fin de l'année. Donc un master en management. J'ai fait mon bachelor en finance et marketing. Après, l'objectif, c'est de prolonger mon visa d'un an avec un truc qui s'appelle l'OPT. Et pour tout à fait. Tu préfères prendre la branche business plutôt que la branche sportive ? En vrai, je reste ouvert à des opportunités. Mais ouais, je vais la jouer safe. Bon, du coup, ça y est, on est parti de l'université. C'était incroyable, franchement. Bah, ça me fait plaisir que vous ayez kiffé, hein. Ah ouais, franchement, c'est incroyable. Les infrastructures, le délire. Franchement, c'est un autre monde par rapport à ce qu'on voit en France. C'est ouf. Comment tu peux résumer toute cette aventure qui est en train de t'arriver, là ? Franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ouais. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à moi-même. Et j'ai pu faire des trucs que j'aurais jamais fait si j'étais pas sorti de ma zone de confort. Genre quoi ? Voyager dans tous les États-Unis, jouer à un niveau très compétitif, genre très proche, comme vous l'avez vu, du monde professionnel. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça, j'aurais jamais, tout en ayant un diplôme, ouais, j'aurais jamais pu faire ça si j'étais resté. Donc t'imagines, t'es... Ouais, ça, je le souhaite à tout le monde. T'es aux US, à côté de New York, tu joues au foot à un bon niveau, tu sors de là, t'es diplômé, t'as la chance d'avoir une bourse. C'est une expérience incroyable. Ouais, non, de ouf, de ouf. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Camille. Merci à vous. C'était un honneur. Merci à vous.